Salut tout le monde, on se retrouve donc pour l'épisode 12 du challenge Maudit Héritage. Alors la dernière fois, on avait pas mal avancé la rénovation du manoir dont on avait hérité, qui était catastrophique. Alors que je me remémore ce que l'on avait fait. Donc, je crois qu'on avait fait toute la partie extérieure du manoir, il me semble. Non, ici, il manque une texture. Donc, on va la mettre tout de suite. Sinon, après, je vais oublier. Ah, thank you so much for the follow, Casmoon. Donc, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est celle-là. Voilà. Allez, les sous s'en vont. Ça y est, les sous partent. On a fait la partie hier, là. Ensuite, on était bon par rapport aux photos qu'il y a sur le site officiel. On était bon au niveau de l'extérieur, du moins. Alors... On peut rester en mode construction. On fera un peu de gameplay après. Alors, on a été resté là. Donc, on avait commencé la chambre au bambinou. Mais tout bien réfléchi, je trouve que cette couleur de la chambre ne va pas. Donc, on va essayer d'en trouver une autre. Moins pimpante, ce qui va pas trop avec le manoir. J'aurais voulu le placo d'abord pour que ça me rende mes sous, pas que hein, mais bon. Alors, ouais, parce que par rapport au style du manoir, ça n'allait pas. Donc on récupère nos sous et on va mettre, j'ai oublié, on va mettre un papier peint plus plus manoir. Alors, j'étais partie pour celui-là, je crois. Ouais. Celui-là était sympatoche. Je sais plus. C'est un garçon. Ça me choque un peu le bleu et le marron là. Qu'est-ce qu'il y a comme autre couleur? Parce que je crois pas que la porte là est... Ah si. Hop. Ah. Là, ça choque moins. Ok. De toute façon, pour l'instant, il est encore bébé. Hein. Donc, il n'est pas encore prêt de monter à l'étage, ce petit ouf. Alors ici, on est bon. Alors, par
contre, on n'avait pas fait ici. Est-ce que j'avais changé l'escalier? Je crois, ouais, je l'avais fait. Ben ici, je sais pas trop. Donc, qu'est-ce qu'on avait décidé la dernière fois? Donc là, on avait dit la chambre des parents avec le bureau. Ou l'atelier de peinture, peu importe. Et le bureau là, il y a à la limite. Je sais pas si les grands-parents les laissera là ou à l'étage d'en haut. On va reprendre. Peut-être plutôt. On mettra l'atelier de peinture en haut. On verra. On verra. Ou les grands-parents, on les mergera. Tout à fait en haut. On verra ça plus tard. On est loin d'avoir terminé. Après, on a tout le jardin à faire. Et donc. Bon, ça changera peut-être, hein, ça. C'est pas définitif. C'est juste pour dire qu'on a fini de décorer au moins ça. Alors, au niveau du toit. Plutôt comme ça, ouais. Plutôt comme ça. Et ici c'est bon. Bon. Histoire de vous donner le mal de mer, on va faire un tour. Hein. Alors, ici on était bon. Là, on était bon. Il me semble qu'il manque la cheminée. Oui, il manque une cheminée. Alors, où c'est que c'est ça déjà? Devant mon nez. Alors. J'ai pas regardé, faut que je regarde sur le site, hein, comment elle a mis le sur les photos. Où est positionnée la cheminée? Et je crois qu'il y a d'autres trucs, hein. Alors, je ne peux pas vous montrer les photos, pour ça, il faut aller sur le site officiel des Sims 4. D'accord, la cheminée est là. Pourquoi elle a disparu ma cheminée, moi? La cheminée, elle est ici. Ben ouais, mais moi, elle ne veut pas y aller, hein. Donc, what is the problem? Bon, je veux bien la mettre comme elle, mais là, la mienne, elle veut pas. Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Bon, allez, c'est. Ah bah elle veut plus aller là non plus maintenant. Mais hé. C'est quoi le problème? Ah, peut-être parce que je suis d'un étage trop. Je sais pas.
Les cheminées volent. Wow. Waouh. Ah non, la cheminée est ici. On va la vendre. Va la remettre, hein. C'est peut-être ça le pro... Bah, c'était ça le problème, ouais. Alors... Je vérifie quand même sur le site. Ouais, elle est collée contre le truc. D'accord. Donc voilà. Et ensuite, pom. Alors, on a une tyrolienne ici. Enfin, chez nous, on appelle ça des tyroliennes. Je ne sais pas chez vous. Voilà. Et il y a un autre truc. Toujours par rapport aux photos qui sont sur le site pour le challenge. D'accord, le truc pointu, il est sur le côté. D'accord. Ok. Donc il est là où est la porte. Mais est-ce que c'est ce côté? Il me semble pas. C'est de l'autre côté. Ah, il y en a un petit peu partout. Il y en a derrière. Il y en a sur les deux arrondis, en fait. D'accord. Ok. Compris, mademoiselle, c'est il qui a créé le challenge. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut mettre. Alors, qu'il faut mettre, qu'il faut mettre, qu'il faut mettre. Ici. Et il en faut un autre. Ici. Ça donne quoi ça? On est bon. Il semblait pourtant en avoir vu un autre de l'autre côté, mais bon. Bon, bon, bon. C'est bien foncé ça. Je trouve. Ah, une fois qu'on l'a déplacé, on peut plus. D'accord, ben on le repose. C'est pas bien grave. Hein. Non, pas par main, ça se met comme ça. Et ensuite, mais il me semblait qu'il y en avait un autre, autre côté. Non. Ah oui, c'est là. En fait, il y en a un sur tous les petits toits arrondis. Ok, il m'en manque un en fait. Il m'en manque un. C'est pas devant. Ce n'est pas devant. Elle l'a mis où? Alors, ici. Me semble point. Me semble pas du tout même.
Alors, regardons la photo. Donc, une, deux, trois. Ouais, c'est pas là. C'était bien ce qui me semblait. C'est ici. Oh, c'est chiant ça. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait, vu qu'on a des sous, on pourrait peut-être commencer. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Mode de nuit, ça allait, il me semble. Hein. Quand on avait vu ensemble. Hop. Toujours que je me base sur les photos, mais je peux hélas pas vous les montrer, quoi. Voilà. Ça qui est embêtant. Ok. Donc les petits nains de jardin, on va devoir les sortir de là. Donc on va les vendre. Va s'attaquer un petit peu au jardin au moins devant. Donc, il y a une haie. Il y a une haie ici sur les photos, là, tout le long. Toc 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 avec des statues. Non, c'est pas une haie, c'est des plantes en fait. Ok. Et elle avait mis la boîte et la boîte aux lettres était là-bas, d'accord. Ok. Donc les statues, je sais plus dans quoi c'est. C'est là, non? Il me semble. Non, c'est plus là. Non. Ça va être dans quoi ça déjà? Je m'en sers si peu des statues. Sculpture. Dans la logique. Hein. J'ai cliqué au moment où. Alors. Faut-il encore que je les trouve, celles qui. Je sais que c'est celle de jardin romantique, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ben, elles me font passer, en tout cas, par rapport aux photos, à celle de jardin romantique. On va voir ça tout de suite. Il n'y en a pas d'autres, de toute façon, il me semble. Après, c'est celle de la jungle, donc c'est pas ça. Tuk tuk. Alors, il y a elle et il y a lui, il me semble. Enfin, moi, je verrai elle et lui. Après, je ne sais pas. Hey, ils nous ruinent avec leur statue. Ok. Ensuite.
fait beaucoup de statues quand même là, par rapport aux photos. Bon, heureusement qu'on peut le refaire à notre sauce, du moment qu'on respecte les murs. Où il va lui? Redescend Léon. Je sais pas si c'est Apollon ou pas. Ok. Donc là, on serait bon. Ça tranche un peu avec le style. Que ça tranche un peu avec le style de la maison. Donc ensuite. La chose que j'ai horreur de faire, c'est bien ça. Les jardins. Alors, il y a un boss, un gros truc touffu là. Ah, mais il est moche celui-là. Pas plusieurs couleurs, non? Il n'y a que cette couleur horrible. Alors là, pour le jardin, ça va être dur. Ça va être très dur. Pour moi, du moins. Alors, il y a le même de l'autre côté. Hein. Chaque fois, il veut se mettre sur les fondations. Et Apollon, hein, on va le mettre là. Ensuite, oh là là, le truc que j'aime pas faire, c'est horrible. C'est beaucoup trop gros. C'est le lait. Arbuste azalée rose. Ah mais c'est horrible ces plantes. Mon Dieu. Heureusement que je fais pas les jardins. Heureusement. Ça doit être trop immense. Je préfère encore celle-là au bosquet. Hein. Là, je trouve que c'est pas du tout harmonieux cette affaire-là. Là. Voyons voir. Ça prend 3, ça. Yes. C'est très très pénible les fondations. Ça, moi et les jardins, on n'est pas copains. Moi, je vais bien mettre des fleurs, mais bon. Là, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ces plantes? Ce serait peut-être mieux ça. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur?
Faut que ça tranche quand même avec les statues, mais que ça reste dans le thème des statues. Voyons voir. Je sais pas. Non. Et ça, mon Dieu. Ah oui, mais c'est pas avec les saisons là. Alors foutu pack saison. Non, mais on va rester à être notre bosquet là. Mais je trouve que ça choque par rapport à au style. Cet enfer. Réel enfer. Pour ça que je voulais le faire en dernier. Jette un œil vite fait, mais bon, je crois qu'on va rester avec notre bosquet pas beau là. Vraiment pas beau. Lui aussi sous sur les fondations. Hop. Et ici. Ça donne quoi si je fais ça? Des fondations. Peut-être déjà mieux ça. Alors. Ouais, par rapport aux photos, c'est plus comme ça, hein. C'est dommage que ça cache les statues. Puis-je avoir la maison de face? Oui.
Ah oui, ils vont pas carrément jusqu'au bord. D'accord. Et c'est les deux mêmes statues en fait. D'accord. Je sais pas, ça me choque comme ça. C'est pas du tout le style de la maison. Cette affaire-là. Mais si on met sa copine, ça va pas nous faire non plus. Qu'est-ce comment on pourrait arranger ça? On est obligé de mettre les deux statues, ça c'est sûr. Ça c'est lui. Elle est où, elle? Non. Mais elle va être dans l'autre sens, quoi. Mais bon. Ça donne quoi? Ouais, c'est pas génial, génial, hein. Moi, j'aime pas spécialement ça. Pas de CC. Eh ben, si jusque-là ça allait, maintenant ça ne va plus. Ah, ça me plaît mieux que ça déjà. Et de l'autre côté. C'est dommage qu'on puisse pas la. Qu'il n'y ait pas l'autre sens, qu'elle tourne la tête de l'autre côté. Ça aurait été plus joli. Mais bon. Voilà, il n'y a plus rien, je pense. Ou alors. Ah là là, les couleurs qu'il y a. C'est horrible. Mais pourquoi? C'est petit, ça, non? Puis c'est laid. C'est très laid. C'est très très laid. Bon, on va rester là-dessus, de toute façon on changera. Alors, jusque-là on est bon. Lui, elle plutôt, elle est à l'envers.
Voilà. Le tonton ne nous a pas laissé un cadeau là. Donc ensuite, on a deux fontaines, hein. Des deux côtés, ici et ici. Alors. Pour les faire, que je suis bête. Va-t-on trouver notre bonheur là? C'est une comme ça en fait. Waouh, ça a piqué pour les fontaines. Que ça a piqué. Je sais plus. Je perds la grille. Non, je sais plus comment on fait. Par rapport au terrain. Ça passerait encore. Et c'est des plantes en fait. C'est pas une haie qu'il y a au centre. C'est plein de plantes. On n'y voit pas très très bien non plus sur la photo, donc. Je sais pas, j'ai plus l'impression que c'est des fontaines, ouais, mais des fontaines. Lesquelles j'ai mis au sein là? Ouais, il n'y a pas grand-chose qui change, hein, à part la taille. Et donc ici, toc. Reprendre, c'était horrible là. Ça va pas me le faire ça. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que cela donne? Il y a un côté où ça dépasse, pas l'autre. Voilà. Ok. Et par rapport aux photos, donc, le devant, hein, surtout.
Les statues, ouais, il y avait deux escaliers. Moi, je suis restée sur un. Normalement, cette statue, elle est plus positionnée vers ici. Mais bon, vu qu'on fait un peu, on le rénove, mais à condition de respecter les murs, ça c'est fait. Donc, ensuite, ces maudites plantes. Maudites plantes. Je ne trouverai pas mon bonheur, ça m'étonnerait. D'autant plus que la saison étant en hiver, ça va être chaud là. Trouver le bonheur. Non. Je scotche là. Trop, j'aime pas. Me semblait que c'est ça qu'il y avait ici, ouais. Mais eux l'auront remplacé par une fontaine. Ok. Alors, ensuite. Il y a quand même beaucoup de haies tout autour. On va les placer vu qu'on a les sous pour cela. Donc ici, il y a les mêmes haies. On peut baisser. Les étages, on sera moins embêté. Hop. Elle est grande celle-là pour se mettre là. Et celle-là? Elle est plus petite, mais beaucoup plus haute. Et de débute. Oh my god. Est-ce qu'on peut la rétrécir? Yes. Je passe au sol. Voilà. Peut-être non, je suis toujours autant embêtée par les fondations. Bête. Ça veut pas. Ça veut pas faire ce que je veux.
On va mettre celle-là, hein. Ça tranche avec le vert derrière des petites plantes. Ça me rentre pas dans la baraque quand même. J'espère qu'elles seront plus jolies l'été. C'est là. Il y en aurait une ici. Oula, 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 oula. Ça fait peur quand on regarde de profil, hein. Quand on n'est pas jardin, on n'est pas jardin. Elle va pas passer, je pense pas. Si. Ok. Ça fait tristouner tout ça. Et par rapport donc à la végétation autour, il y a quoi? Quand on regarde les photos, il y a des sapins. On peut mettre des arbres, quoi. Devant, de face. Bon, après, c'est à nous de jouer, quoi. Donc, en arbre. Oula, mais ça fait mal, hein, le jardin. Ça sert à rien, mais ça fait mal. Ça piquait au niveau des sous. C'est quoi qu'il y a dans le coin comme arbre là? Y a pas de sapin.
Je regarde par rapport aux maisons autour pour rester dans le thème, mais j'aime pas trop cet arbre-là. Non, ça va pas. Ce serait quel arbre alors? Celui-là. Ça ressemble. Non, ils sont plus grands. Ça doit être celui-là alors. Un peuplier? Non. Bambou, non. Alors, sapin. Qu'est-ce qu'il y a aux alentours? Y a des peupliers quand même. De l'aubépine. Ah, c'est un arbre mort, c'est pas beau. Un être. Il est tout petit. Peut mettre les arbres après. Ouais, on mettra les arbres après. Allez, go. Alors. Bon, on va faire un peu de gameplay. Je pense que le petit bébé devrait grandir. Je pense. Donc, au niveau de Becky, elle va aller au dodo. Son père. Hop. Toc. On n'a pas eu de notif. Non. Je vérifie. J'ai vu que ça allait être son anniversaire, mais pas que c'était son anniversaire. Donc, tant que c'est pas ça, on fait pas. Donc, le papa est inspiré, donc il va aller peindre. Allez, tu vas peindre. Le grand papa, faut qu'il aille faire pipi. Est-ce qu'il peut améliorer? Voilà. Puisque les grands-parents ne participent pas au challenge. Après, il prendra une douche, papy. Et on verra. Et au niveau de la mamie, je crois qu'elle va s'occuper du bébé. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui va nous peindre de beau? Mais alors, tu peins ou tu peins pas? C'est moi ou c'est le son? Je sais pas. On va lui laisser peindre sa toile. Mamie va s'occuper. Oups, d'un seul coup, le son monte. Oh.
il nous fait cette peinture. Oh. Il est passionné de Formule 1. Ah, c'est le jour de la loterie, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est soirée en ville. Alors. On s'en fout de ça. Hop. Alors, tu vas vendre. Alors, vu que t'es confiant, bah, tu vas en recommencer. Puis après, t'iras faire dodo. Mamie, qu'est-ce qu'elle joue avec un hélicoptère? Mais non, pas du tout. Elle va manger un bout, elle joue avec un robot maintenant. Alors, enlever la nourriture gâtée. Prendre des restes. Il a terminé l'amélioration de toilette. C'est bien. Prendre une douche. Divertissement. Faire regarder la télé. Où est passée ma télé? Ici. Et il ira au dodo. Grand-papa. Si j'arrive à y faire aller. Hop. Elle ira au dodo aussi après. Elle ira faire pipi. Et elle ira dormir. Alors, comment ça se passe en bas? Ah, il a fait un chef-d'œuvre. Waouh. Becky a faim. Allez, tu te lèves. Rapport des droits d'auteur. Ok. Ah, ah, bébé qui pleure. Hop, tu refiles au dodo. Malou. Alors, au niveau de Becky, ça va. La grand-mère, elle est énergisée. Mais elle va dodo. Papy. Il va au dodo aussi. Hop, hop. Donc on n'a plus que Becky debout. Alors, s'entraîner à écrire, bah oui, si tu veux.
Et ça, c'était quoi? Faire du bénévolat, non. Oh. Jouer dans un tas de feuilles. Oh, Yabberhorm. Parle toute seule. Alors, ben, tu vas aller là, jouer dans un tas de feuilles. Tu vas récolter tout ça. Et t'irais faire le pipi. Plus de choix. Et tu vas écrire, hein, bien sûr. Voilà. Où elle en est. Alors c'est quoi le chef-d'œuvre en fait? Ah oui, toujours le même. Capri. Il va manger un bout. Alors, que nous reste-t-il dans ce frigo? Plus de choix ou... Oui, appelle-le comme tu veux. Plus de choix. Ouvrir. Oh, il y a encore beaucoup de choses à manger quand même. Oui. Alors, mamie. Il fera prendre une douche.
Être drôle avec son fils, ok. Ah. Non, on va pas à la douche. J'annule la douche. Pourquoi il pleure plus? Tu prendras la douche après. La porte. Il veut pas le bibi. Allez, papa se lève. Oui, on vend le chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a pas vidé le. Non, mais tu joues pas. Oh. Après, tu seras drôle avec lui. Blague perso. Yaps, Sibave, Bahira. Chercher des informations sur les vampires. You Torbo Malfoy? Huh. She's got a point. Fiba Deso. Been trip, Malfoy, huh? Oh, bébé Break pleure. Elle y va. D'accord. Ok. Mamie s'en occupe. Mais c'est... Oui, pipi. Mamie, elle fait pas ce qu'il faut. Becky, elle est toujours en train d'écrire. Elle a fini, donc elle va pouvoir aller le vendre. Ah, il y en a deux à vendre. Vendre un éditeur. Celui-là. Ok.
Allez, faut monter le social parce que là. Tuc. Everroy. Ils sont rouillés. Tu. Soy Masharnu? Aw, yoyum. Sawada Beamy. Parsife Yibel Pwemp. Norbs. Alors, qu'est-ce qu'il veut avec son fils, lui? Faire sa connaissance, mais. Tu ne connais pas ton fils, ça? Oh. Falling, who's a chua? Quim's but a yev. Hey, les deux là. Pas d'autre bébé, hein, déconnez pas. Pas dans le programme là. Il est énergisé. Regardez Culture Monde. Look, the storm of flame. Bobo, zoom a form. Ah, Imbo Beige. Seven A. Mavish Witosa. Yes? Brah, his inbox will be massive. Zamona Sarah. Elle a le sommeil, donc on va mettre au lit. Hop. Ouf. Et puis il va peindre. Alors, quand c'est qu'il grandit, ce petit-là? Encore? Prendre des restes. Ah.
Papy, ça va. Pourquoi il s'habille comme ça dedans, lui? Vipper. Flirter avec Noah, non. Le bébé qui pleure, maman. Ah ben, il y va. Et où il est parti, lui? Capruna. Parti, chic. Mais non. Non, non, non. On va pas en boîte de nuit. Ah, il fait une classique. Alors, le papy fait sa vie. Bon, toi, tu vas aller regarder la télé. Hop. C'est joli ce qu'il fait là. Demandez à Roman comment s'est passée la journée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Zelhoy, Yadrosi Wash. Ça veut pas. Tu veux pas. Je crois que Sana va la garder, toi, pour décorer le manoir. Mamie, elle va aller faire dodo. Hop. Et le papy, ben ça va. Okay.
You're showing up. Et puis, elle ira dormir. Alors, lui, avant qu'il parte me faire n'importe quoi, on prend une copie. Et on va le vendre. Qu'est-ce que tu pourrais peindre? Allez, impressionniste. Alors, le papy. Il va aller faire dodo. Donc il reste Becky. Mais bon, elle s'est fait. Au niveau de Brian, de Roman. Il peint. Ok. Il y a la toile à monter aussi. Hop. Dans la chambre du bambinou. On va la mettre là. Encadré. Voilà. Et il y a deux photos. Ah, Yavis Bar. Cinq et cinq. On peut la vendre, hein. Voilà. On va voir ce qu'il va peindre. Alors ici, on a ça à vendre. On mettra les photos après. Hop. On a bien fait d'en faire 5 de plus. Normal, normal. Il a fini là? C'est une peinture ça? Spécial quand même l'affaire. Vendre. Mais couche-toi. Alors, le papy, ben ça va. Il m'en faut un debout. Donc, on va lever grand-mère.
va servir l'ordinateur là. Secret de vampire. Voilà. C'est vidé. Qu'est-ce qui... Ah, encore la nourriture gâtée? Oh là là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Parce que si on jette tout... Mourir. Si, encore beaucoup de choses. Ça va, il y a encore pas mal de choses à manger. Alors, acheter un lave-vaisselle, c'est pas une mauvaise idée ça. Mais pas pour le moment. Le papy. Alors, le papy, il va se lever parce qu'il a faim. Faire crac-crac, non. Discuter avec Anoa, à la limite. Ok. Hein? Demander comment s'est passée la journée. Ah. Nourrir. Ah, c'est papa qui va. Alors, tu iras manger un bout. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Hop. Ooh. Burrow. Who dropped his skates? Alors, c'est ici. Et... Qu'est-ce qu'elle me fait, ma mamie? Oh, yibs! Kunada! Kinkubu Koiba? Oh, yibs! Ganera, Thinica Seneca, Zapapot, Trangella, Grinoy Bars, Demis
Yips. Palma. Best believe. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Glarn. Compétence éducation. Spobany. Befete Grino. Barsp. Quoffy Baruda. Gaunim Clevite Grinia. Ow! Ok, à bricoler. Barsib Zimze Chorib Flazel Vilpa. Abimi? Là, tout est fait. Ça, ça s'améliore pas au niveau du frigo. Tu vas aller dormir. Et Noël et Becky peint. Bon, c'est nouveau ça. Alors, la grand-mère. Il y a un truc cassé. Belgasaur. Becky, elle peint. Waouh. Le papy, il est occupé. La mamie, elle va se manger un bout. Zilnoy.
Allez, tu vas bosser un petit peu. Écrire un livre. Allez, un roman policier. Ah, il s'est pincé le doigt, papy. Ah. Pas content. Blash Begoya. Si tu veux. Fabriquer des tables, des chaises, de salle à manger sur l'établi d'ébéniste. Okay. Ben, c'est bon, tu peux partir, le réparateur. Il squatte. Ah, zéro. Ah, donc. Bon. Il a réparé pourtant. Alors, il ira aux toilettes. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste au papy à faire? Les réfrigérateurs, hein, Smith. Là, on a tout amélioré. Là aussi. Papy a déjà fait tout son travail. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire après? Alors, continue à améliorer les robinets. Il n'y a peut-être plus de pièces. Hein. Il s'est pincé les doigts encore, le corps. Now feed, hein? Écoute, si tu sais pas quoi faire. De Roy! Il pleut, mais tu vas aller récolter les pommes, là. Voilà. Puis elle ira regarder, hop, elle ira dormir. Et ensuite, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il améliore tout. Effectuer des interactions sociales d'éducation. Mais le bébé, il dort. Être amical avec Anoa, ok? Rencontrer une nouvelle personne, ça va être plus compliqué. Alors. Il n'a plus de pièces, je crois.
classique. Hop. Ouais, je crois qu'il a plus de pièces. Voyons, voyons voir. Un vrai pipi. Ah, Glenn Rosie. Puis on lui laisse faire sa vie au papy. Alors, oulala, 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 oulala. Catastrophe. Alors, elle mangera un bout. Quoi, moi, un sang? Ah oui, pain, lui, c'est vrai. Ouais, bon ave. Bon, Daisy. Ok, ok. Nivahana. Regardez la télé. Qui elle a bugué là? Alors. Ah, bébé qui pleure. Mais il nous fait des œuvres d'art en ce moment. Tiens, ils vont aller renouveler leurs vœux. Dès qu'il a fini sa toile. Ça va être chaud, mais bon. Vendre. Ben tu vas aller. Ah mais c'est là qu'il faut que je clique.
Toc Festival de l'amour. Bah, tout le monde va y aller comme ça. Ah non, vous plaintez pas, hein. J'ai pas sauvegardé là. Bon, merci. J'espère qu'ils se seront changés, qu'ils seront pas en pyjama. En plus, j'ai fait venir la vampire. Voilà. C'est quoi cette tenue? Bon. Je t'avais pas mis ça, mais... Incroyable. Qu'est-ce que t'as dit?
J'ai oublié un truc, c'est de faire un groupe. Action, former une bande. Ah, le Père Noël il gâche tout derrière. La bulle aussi d'ailleurs. C'est mamie qui est derrière et qui gâche tout. Bon, c'est pas grave. Sure.
Door.
Chemin du thé. Chupa. Alors... Putain, il n'y a plus de place. Jeannie Gris, j'espère qu'elle va mourir. Vipa! Skeebs Wabarani! Yimbara! Allez, tout le monde rentre, parce qu'apparemment, ils sont tous KO. Et la mamie, elle rentre pas. Ah. La mamie, voulait pas rentrer. Ah, vous plaintez pas les Sims, hein.
Oh non, vous plaintez pas, j'ai pas sauvegardé. Déconnez pas. Oh, ouf, alléluia. Et on finira l'épisode 12 sur un petit peu de ouais, build, mais dans le jardinage, quoi. Enfin, dans le jardin. On va les remettre d'aplomb d'abord. Ben, c'est parce que c'est que le petit bébé va grandir. Ce sera au prochain épisode. Ah ben, mamie, je crois qu'on va la perdre. Alors. Mamie, direct au dodo. Ensuite, papy. Papy, faut qu'il fasse beaucoup de choses. Regarder la télé. Puis il ira faire dodo. Becky. Oh, elle est passée. Ah, oh, ben bref. Si, elle est un peu cata aussi. Hein. Hop, utiliser, prendre une douche et dormir. Et Roman, ben lui ça va. Oh ça, bébé fait dodo. Bépin, hein, c'était confiant. Raj. Pourquoi j'ai juste vu d'un seul coup? Belga. Alors, jouer sous la pluie. Yes. Il pleut pas. Alors, on va prendre l'étoile. Hop. Il y en a deux. On va me mettre là. Au pif. Et pose-toi. Et l'autre. Et on les enlèvera. Pareil pour... on va le mettre directement en haut, ça. Hop. On va le mettre là. La photo. On va aller mettre une photo de papa et maman par là, on arrangera après.
Putain, elle est pourrie. Une avec belle maman. Ah, oh, ça y est, on est en hiver. Oh. Oh, oh, oh. Et on va leur mettre une photo de leur petit-fils. On arrangera après. Qu'elle aille vendre son livre aussi. Hop. Non, non, tu vas pas l'ordi, tu vas pas l'ordi, tu vas pas l'ordi. Hop. Alors, est-ce qu'ils ont récupéré Ça éviterait que tout casse dans la maison. Oui, mamie, lève-toi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire regarder? TV Sport, TV Préado, Culture. Il n'y a pas une chaîne... Ah, la chaîne cuisine. Hop. On va faire remonter les jauges un peu. Et puis, on passera avec un peu de build. Au niveau du calendrier. Ah, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bah si, dans cet épisode, il va grandir. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Hop, hop. Ok. Alors, au niveau du build. Il y a un truc bizarre que je vois depuis tout à l'heure. Alors, donc, hey, on va te mettre où? Je ne sais pas.
On va dire Claude, c'est sa sœur. On peut dire ça. On peut imaginer ça. Ou la sœur de... La sœur de Becky, tiens. Un truc bizarre qui me passe par la tête là. Est-ce que lui, des fois, il a une tête bizarre? Bon, bref. Alors, à l'étage, il y a le truc du bambin. Alors, pour les grands-parents, on va mettre les photos au-dessus de la cheminée. Alors, on doit être à 120 000. Hein. On n'en est pas loin. On a bientôt fini, en fait. Alors, ça s'est rangé. Et dans la chambre du petit bout. Voilà. Donc, on va mettre des arbres. Alors, avec l'hiver, ça va pas faire fleurir. Hein.
Rosie et fesses de bébé? Ah ouais. Ben alors. Les Rosie et fesses de bébé. Original. Ça, celui-là, je l'ai déjà mis. Berk, berk, berk. Non. Ouais, mais ça va pas là. Je sais pas quoi ils mettent du tout, du tout, du tout, du tout. Mais peut-être pas de student. Et derrière, peut-être leur mettre
Non. Qu'est-ce qu'on a? Ça éclaire un petit peu quand même. On peut peut-être mettre ça. Moins qu'il y a mieux. Ouais, il y a mieux, je crois. On a mieux. Il nous faudrait peut-être un barbecue dehors. Et il nous faudrait... des chaises. On va y avoir les jouets du bambin dehors. Alors. On mettrait bien la petite piscine. Celle-ci. Alors, est-ce que j'ai prévu? Je crois pas avoir prévu en bas la chaise haute, non. Alors, changer la couleur. Si on arrive un petit peu à voir dans les teintes, c'est trop clair. Noir et bleu, marron et orange, marron et vert. Alors...
Tant qu'il peut pas monter. Je serai obligé de mettre le lit pour Bambin à côté. Donc on va le faire comme ça. Pas génial. Bon, c'est un dépannage. Accent aux couleurs là. En attendant, et les petits jouets. Alors, il n'y a pas beaucoup de place en fait. Toc toc. Pour allumer la petite tablette là. De là et un petit coffre en bas peut-être en attendant qu'il marche. Je trouve plus, c'est que c'est ça. Ça doit être là-dedans. On va y mettre le petit robot. On va lui mettre. Le petit hélicoptère. En attendant, tout est prêt en haut, mais bon. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, je crois qu'on est bon. Hein. Alors, on doit atteindre les 120 000 simflouz. Il y a encore de la déco à mettre. Donc,
On verra quand le bambin aura grandi. Donc on va voir s'il grandit cette partie-là. Ce serait bien. Hop. Tout le monde dort. Je pue, faut que j'aille me laver. Et prendre des restes. La grand-mère, elle va enlever. La nourriture. Arrête de regarder la télé. Ben, va aux toilettes. Le papy, oula. Papy, rien ne va plus. Donc, papy, il faut qu'il aille faire pipi. Arrête de dormir. Faudra qu'il aille manger. Qu'est-ce qu'il y a? Seul? Mais t'es avec les membres de ta famille. Là. Il radote, notre papy, là. Oh, it is zouk! It is zouk! Oh. Ok. Enlever la nourriture gâtée. Il est où le papy? On a perdu. Il descend. Là où il est? Hop. Hatsigabe. Allez, viens qu'à jouer ton mari parce qu'il est triste. Non mais laissez-le manger. Phew, malice, Neva. Hello, days. Uh-huh. Oh. Is our school. So. So. Yikla. Elle l'a pas fait, hein. Oh, yes. The hair rush away. Flazzle polka. Zaffle. Abayomi. Love rush. Yabby kiboy. Yeah. Ooh. Brain. Nikwa. That is... Shells of our soy. Mamie, tu... Ah.
Alors. Il y a un truc qui est tombé en rade? Non. Alors, bah lui est toujours un joueur, donc il va aller faire. Alors, Becky, elle... Ok. Et papy, il va réparer, hein. Mamie va aller prendre une douche. Ah non, il n'y a pas tout qui retombe en panne, hein, comme d'hab là. Et elle ira dormir. C'est Becky qui fume. Je sens pas bon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, papy, récupère tes pièces. Mulberry? You know? Bon, mais je pense que tout le monde est à peu près bon. D'accord. Oui, après tout, papy peut le faire. Il est tendu, qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de se divertir, mais je vais t'y mettre devant la télé. Voilà. Mm-hmm. Et Becky, ranger ça.
pense pas. Ah, ça y est. Aller à faire le pipi. Et au dodo, la maman. Donc, on n'a plus que papy qui est levé, mais qui a faim. Oh là là, on va jamais pouvoir finir cet épisode 12, hein. Allez, tu t'es assez diverti. Mange un bout. Tout est bon là. Oh, il est encore triste, le pauvre. Seul, se sent seul. Bébé pleure. Ah non, maman s'en occupe. Où elle va? Ah oui, le pipi, je pense, ouais, c'est ça. Et dodo. On va pas y arriver. Voilà. Bon, bah écoutez. Il va nettoyer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore la nourriture, non mais... Le papy est pas bien. Non, oh, elle a le cœur brisé, le pauvre. Ah, ben si, il va grandir dans cet épisode, alors. Allez, on va le faire grandir. Attention, roulement de tambour, changer d'âge.
À quoi va ressembler le bambinou? On finit l'épisode en beauté. Alors, on va mettre... phase anédique, ne pique jamais les adultes et ne pique jamais de crise. Il paraît également facilement aux inconnus. Voilà, on va le mettre angélique. On va pas s'embêter. Ah, fais voir, bout de chou, à quoi tu ressembles. Oh, tu es particulier. Alors, on va voir ça dans le casse. Alors. Bon, on aura fait du build pour cet épisode 12. Concernant ce challenge, on aura fait le build, on aura fait le gameplay. Et le bambin, on finit sur le bambin qui grandit. Donc on va vite fait l'habiller dans le casse. Et on verra pour l'épisode numéro 13, je crois que c'est. Ouais, c'est ça, 13. Enfin, on aura quand même terminé la rénovation. Il faut encore rajouter des trucs parce qu'il faut que ça atteigne 120 000 simflouz. On n'est pas loin, mais bon, il faut encore des trucs. Et ça sera terminé pour ce challenge. On pourra en continuer un autre. Toujours même question, espérons que ça n'a pas planté parce qu'à chaque fois, j'oublie de sauvegarder. Non. Bah... Alpas, moi Alpa. C'est tout bien fort, toi, dis donc. Alors, le petit bouf. Alors. Tu es châtain. Elle a les yeux marrons. Alors, à qui ressembles-tu? Bah, il y a maman et papa, les deux. Bon. Alors, passe de coiffure, hein, bien sûr. Alors, pas de CC. Donc, en coiffure bambin, c'est toujours, on est toujours autant bloqué. Nouveau, une coupe au bol. Ouais. Waouh, pauvre petit bouf. On va le mettre comme ça. Alors, tenue de tous les jours, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Comment ils t'ont habillé? Alors... on t'habille différemment. Alors... un t-shirt. On va te mettre un petit pull comme ça. Allez, petit chien. Ça donne quoi ça? Alors, en bas. Et chaussures. Pour la tenue de soirée.
pas terrible ça. Niveau vêtements, il y a toujours pas de progrès. Hein. Puis-je avoir des chaussettes? Il y a quand même pas que ça en chaussettes, faut pas déconner. T'as le feu au plancher un petit peu. Alors de nuit. Alors, pas de chaussons. Alors, pour les fêtes. Non. Snoopy. Alors. Les pantalons. On n'est pas gâté avec les bambins. Alors, en maillot de bain. Qu'est-ce qu'on a ? On dirait Tomb Raider, quoi. Pour quand il fait beau. Pour quand il fait beau. Voilà. Et quand il fait froid. C'est quoi qu'il va avoir dessus? À ce moment-là, on te met un petit chapeau, mec. Oh là là, ce bonnet ridicule, quoi. Mais vraiment ridicule. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Non, ils n'ont pas de gants. Non, apparemment, les gamins, non. Bah, pourtant, il me semblait. Ah, le pauvre petit. Ouais, ça va mieux, ça. Et accessoires. Bah, si, il y a des gants. Yeah! chaussures. Été, la vie chaud, maillot de bain, fête, c'est rare.
Nuit, ça ira. Soirée. Pose un pantalon. Ce pantalon ne me plaît pas du tout. Yeah. Petit bout, on dirait qu'il y a le feu au plancher, quoi. Ah, bah, c'est décès, c'est avec les bambins en même temps. On peut pas mettre autre chose. Hein. Ah, mais c'est bien pour voir les couleurs là. On va t'enlever les chaussettes. Voilà. Et en chaussures. Pouf. Pouf. Yeah! Voilà. Ce pull tout compte fait pas beau. Bon, alors qu'est-ce qu'on va te mettre? Heureusement qu'il existe les CC pour les bambins, hein, parce que franchement, ça peut être pas trois pattes à un canard. Hein. Ah ben, on est en hiver, quoi. Les t-shirts, pas trop, quoi. Ah, évidemment, ça lui met la capuche, pauvre gosse. Yeah. On va faire comme ça. Hein. Il n'y a pas 50 tenues. Ok. Bon, ben on va rester là pour l'épisode 12 du challenge Maudit Héritage créé par Sethil. Et on se retrouvera, je pense, très vite pour l'épisode numéro 13. Je vais vendre avant de vous quitter le landau, comme ça, ça fera la place. Et j'arrêterai le live là-dessus, le temps que ce joli prisme vert, qui est toujours aussi rapide... Ces temps de téléchargement, là, il faudrait qu'il fasse quelque chose, hein, pour que ça soit moins long. Mais beaucoup moins long. Oh là là. Ok. Alors. On va vendre et sauvegarder. Ou sauvegarder et vendre après. Pas bien grave. Sauvegarder d'abord peut-être. Frims! Oh, ben fort! Yabosa! Pause. Alors, mode construction. J'avais dit sauvegarder d'abord, mais c'est pas grave. Donc, hop. On va le vendre. Hop. Ok, donc il a son petit dodo là. Ah,
Il manque le petit pot. Il manque le petit pot. Bon, il devrait monter. Après, on enlèvera tout ça là. Je pense que dans le prochain épisode, il marchera. Hein. Donc, dès qu'il monte l'étage, on déménage le bas. Et je voulais rajouter ici des barrières. Alors, ça en met pas partout. Mais non, parce que j'ai le mur. Couillonne. Bon, il restera à mettre des cadres à ça. Ensuite, pof, pof, pof. Ah oui, si on peut lui mettre un petit toboggan dehors, peut-être. Pour le petit bout. Alors. La petite piscine, on peut lui mettre là. Toc, 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 toc. Ça va prendre trop de place. À moins qu'on mette l'arbre ici. De toute façon, il va pas aller se baigner dans la piscine tout de suite. Par contre, il pourra aller jouer dehors. Ah ben, ça passe. Un coffre à jouer dehors. Merci Enono24 pour ton follow. Merci beaucoup. Peut-être on va bouger le barbecue parce que le barbecue à côté d'un bambinou, ça le fait pas trop. Alors, on va le pivoter ça. Hop. Voilà. Donc lui comme ça, il a son truc à jouer là. On va lui remettre des cubes dehors. On va lui remettre une tablette dehors. Gâté pourri ce gosse. Hop. On
J'oublie un truc. Un nounours. Bien sûr. Le nounours. Pop-up, et je voulais il me faut un banc. Enfin, un bon façon de parler. Hop là. Ah, on se rapproche des 120 000, hein. On va bientôt avoir fini ce challenge. Bon, mais voilà, on espérait que le Bambi nous grandisse. C'est fait. On a tout rénové. Hop. Hop, 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 hop. Je comprends pas pourquoi j'ai cet angle-là. Bon, pas grave. On verra en haut ce qu'on fera de cette pièce quand le petit marchera. Voilà. Hop. Bon, on va rester là de l'épisode 12 du Challenge Maudit Héritage. Je pense que la prochaine fois... On monte, dès que le petit pourra monter l'étage, on déménagera tout en haut. Du moins, la chambre des parents, le bureau. On verra ce qu'on fera en bas. Et puis, on aura bientôt fini ce challenge, hein, puisque 120 000 siflouses, on n'y est pas loin. Donc, on se retrouve très vite pour l'épisode 13. Et pour les autres épisodes, vous les avez avec les règles du challenge sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez aimé, ben n'hésitez pas sur la chaîne YouTube à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux de Twitch, à follow pour savoir quand c'est que je suis en live. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour le challenge Maudit Héritage épisode 13. Bye bye.